Bonjour. Aujourd'hui, dans les tutos de la vie, comment se débarrasser définitivement des témoins de Jéhovah. On peut l'inviter à prendre un thé? Bien entendu. Tigana, poulet! Oui, venez, cher monsieur. Poulet. N'essayez pas de les berner. Pardonne-nous, petit Jésus, car nous... Oh, regarde! Oh, Seigneur Dieu! Quelle aubaine! Allons-y! Mais où sont les Bibles, Hippolyte? Oh, regarde, c'est un piège! Oh mon Dieu! Ha ha! Tu peux toujours essayer, Brice Fournier! Nous avons des ceintures de chasteté en acier trempé! Qu'avons-nous, docteur? Je ne sais pas. Par contre, vous avez ce qu'on appelle communément une petite bite. Et celui à la moustache, il vomit des slips. De quoi? N'essayez pas de leur mettre du caca dans la bouche quand ils sont nus sur un skateboard. Putain, mais c'est qui écrit cette merde là? Ok, attends, bouge pas, j'appelle les prods. C'est quoi ce bordel? Attends, tu vois. Alors c'est qui le patron maintenant, hein? Quand ils sont nus sur un skateboard à New York. Oh, Figaro. Ah, moi, je suis péché à l'entour de la pierre, j'en peux plus. Oh, Figaro. Hello, my baby. Hello, my honey. Oh, darkness, my old friend. I come to talk with you again. Oh, my God. Oh, Kayuti Lanchatchala, Ite, Edouard Leclerc. Oh my god! Échec et mat. Les mecs, je vous aime bien, mais votre film, c'est vraiment de la merde. What? What the fuck? What the fuck you talking to me, man? You... What we do is about a live pigeon and Robert De Niro, you know, it's like... What's your man? It's a fucking Mexican, what the fuck you know? It's just... Coupez. C'est quoi cet accent de merde? Non, bah nous, on trouvait ça cool, les, des requins qui... Cool? Et c'est quoi ces chemises pourries? Bah, je sais pas, moi, enfin, je voulais États-Unis, Miami, la plage... Couleur... Excuse-moi. Quoi? C'est normal, ça? Ah! C'est quoi ça? Bougez pas! Toi aussi le gros là-bas, putain, je t'ai vu! Et taisez-vous! Sinon j'efface le pigeon! Okay. Fab, lâche le pigeon. Lâche l'ardoise, Fab. Non, jamais de la vie, non! J'en ai marre de vos conneries de merde! C'est toujours la même chose, et pipi caca, nanana! Non, j'en ai marre, putain! Je veux être beau, je veux être un héros, je veux parler en anglais, je veux faire du kung-fu et je veux défoncer ces putains de témoins de Jéhovah. Pas en anglais. Ouais bah, en slovène aussi, c'est bien. Et je veux une Opel Corsa, full option. Me niquez pas là-dessus. Tout ce que tu veux, ok. Tout ce que tu veux, femme. Vite, va perrat. N'a copec vagabond. Attention, ce tuto ne marche pas avec les témoins de Jéhovah. Ils font du Jésus-Jitsu.
je sais. Le coup du Jésus-Gé dessus, franchement, ouais, génial. T'as vu, mais par contre, on est super con, on répond pas du tout à l'épisode. C'est un peu embêtant. Attends. Aujourd'hui, dans les tutos de la vie, comment se débarrasser une bonne fois pour toutes des témoins de Jéhovah. Messieurs, vous avez ce qu'on appelle communément un cancer incurable des testicules. Incurable. Bon, au final, on n'est pas si mal ici. Tiens, mais vous ici, mais c'est fantastique. J'ai apporté plein de lectures avec moi. On va pouvoir s'amuser un long moment. En plus, j'ai pété. Coupé. Non mais merde, Victor, mais c'est quoi ce prout-là? Sérieux? Mais quel intérêt? Ah, vous faites chier, allez, je me tire, moi. Salut. Oh non, mais attends, mais Victor, on va pas finir le dernier tuto comme ça, c'est le tout dernier. Trouve un truc à dire, n'importe quoi, un truc intelligent, vite, dépêche-toi. C'est bientôt la fin de l'épisode, des brouilles. Hey, les gars, je vous ai ramené des cacahuètes. Ouais, j'adore les cacahuètes.